une fois, une joie de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus, alors que on s'apprête à aller dans la parole de Dieu. Euh, nous sommes dans une série estivale euh, concernant les récits bibliques qui nous laissent perplexes. Il y a des versets bibliques ou des passages bibliques ou des récits bibliques lorsqu'on les lit, notre premier réflexe est de dire mais c'est quoi le rapport Et d'ailleurs, c'est le titre de cette série de cette thématique. C'est quoi le rapport mais permettez moi de te rappeler deux convictions bibliques des chrétiens. Donc, devant tous les textes de la Bible, euh, on a toujours, même lorsqu'on ne saisit pas trop de première abord euh, de quoi il s'agit, euh, c'est quoi, pourquoi le Saint-Esprit a inspiré ce texte-là, on a toujours deux convictions. La première conviction, c'est que tous les passages sont christocentrique. Hein? J'en parle beaucoup. Euh, si ce n'est pas le premier message du portail que tu écoutes, euh, tu sais qu'on veut toujours démontrer, révéler, pointer vers Jésus parce qu'on croit que toute la Bible a rapport avec Jésus. Euh, c'est un peu comme des films. Hein? Des fois, dans un film, tu vois qu'on met l'accent sur un élément, sur un verre d'eau, euh, par exemple, sur, sur une fleur. Et régulièrement, la caméra revient sur ces éléments-là, puis tu ne comprends pas trop parce que c'est banal. Et vers la fin du film, lorsque l'intrigue se dénoue, ah! Le verre d'eau était important, la fleur est importante, tout peu importe, l'objet est important. Et de la même manière, il y a des textes qui semblent banals, mais à la fin de l'histoire dans le Nouveau Testament, on voit que tout ça faisait un rapport avec Jésus dans le dénouement de l'intrigue dans l'histoire du salut. Tous les textes de l'Ancien Testament nous enseignent quelque chose sur notre Seigneur. Et la deuxième conviction que nous avons, c'est que tous les textes ont des enseignements pratiques. L'apôtre Paul dit que, Testament a été, euh, que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament nous est relaté pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Euh, la Bible n'est pas comme le manuel de montage IKEA. Hein, lorsque tu achètes, euh, achètes la bibliothèque IKEA, tu as le plan, puis tu te dis c'est quoi le rapport, et tu vois pas trop. Des fois, tu as l'impression comme, OK, ils ont, ils ont rajouté des étapes, ils ont enlevé des objets. C'est difficile de voir comment le plan se traduit dans le concret. Maintenant, nous avons la conviction que la parole de Dieu se traduit toujours dans le concret. Donc, sans plus tarder, nous allons dans notre deuxième texte, alors qu'on a fait un sondage des cinq textes qui laissent les chrétiens les plus perplexes. La semaine passée, c'était un texte très bizarre, avec les fils de Dieu qui viennent vers les humains, il y a des géants. Ce matin, aujourd'hui, c'est un texte différent, c'est un texte que je pourrais qualifier de sordide, de sale, de, de crasseux. Je choisis mes mots. Donc, c'est un texte même que euh, certains commentateurs, certains anciens commentateurs disaient que on devrait même pas parler de ce texte-là. On ne devrait même pas prêcher ce texte-là. Euh, et même certains commentateurs anciens, lorsque tu arrives dans, dans notre texte qui se trouve être dans Genèse 19, tu es dans Genèse 18, es la première portion de Genèse 19, lorsqu'on arrive à notre texte, il passe à autre chose. On est immédiatement dans le chapitre 20. Donc, on va regarder, c'est le fameux texte. Quand je dis fameux, c'est-à-dire quand même connu. Donc, c'est l'épisode du viol de Lot par ses filles. Du viol de Lot par ses filles. Et reste avec moi, tu vas voir, il y a une bonne nouvelle, ça parle de Jésus, c'est pratique, même ça prend de la foi pour le croire. Donc, sans plus tarder, Genèse 19, verset 30. Lot monta de soir pour habiter avec ses deux filles dans la montagne car il craignait de rester à soir. Il habita dans une caverne. Alors l'aîné dit à la cadette, ⁇ Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous selon l'usage naturel. ⁇ Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de donner une descendance à notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il n'avait sa, sa connaissance ni, que, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la cadette J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit Il va coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela Moab, c'est le père des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. La cadette enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de ben c'est le père des Ammonites, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est le cas de le dire, c'est quoi le rapport? Quand le prédicateur voit ce texte-là, j'ai juste le goût de dire une chose. Savez-vous quoi, on va changer de texte? Tournez avec moi dans psaume 23. Euh, non. Non, parce qu'encore une fois, ce texte est là pour une raison. C'est ce qu'on va voir. Et ce texte, c'est là pour nous, euh, nous enseigner sur un danger qui nous guette. C'est ce que je pourrais appeler la glissade du rétrograde. La glissade du rétrograde. Vous savez, on a au Québec et au Nouveau-Brunswick, euh, j'imagine, ou ça ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle des côtes magnétiques. Une côte magnétique, c'est une illusion d'optique. Par exemple, tu vas aller en voiture... Tu es là, tu vas, être, tu, vas, tu vas monter une côte. Et là, tout à coup, tu es sur la côte. Et euh, tu penses, tu es au milieu de la côte, tu vas mettre la, la voiture sur le neutre. Et la voiture va monter la côte. Et là, tu penses qu'il se passe quelque chose de magique, c'est-à-dire que la côte t'attire vers le haut. Mais en fait, c'est une illusion d'optique parce que tu descends. Tu as l'impression que tu montes, mais tu descends. Mon ami, peut-être que tu as l'impression que tu vie avec Gisèle est stable. Peut-être que tu as l'impression que tu montes. Mais souvent, c'est une illusion d'optique. Souvent, on descend sans s'en rendre compte. L'autre ne s'est pas rendu là du jour au lendemain. Maintenant, qu'est-ce qu'un rétrograde? Tu sais, les rétrogrades, on, on pense c'est des gens qui abandonnent le Seigneur, puis c'est comme, c'est pas moi, moi, je suis sauvé. Puis... Joel Bicky va dire la chose souvent. Qu'est-ce qu'un rétrograde? Rétrograder est une saison dans la vie d'un chrétien. Lorsque son péché devient plus fort et que son obéissance décline. Mon ami, est-ce que tu es dans une saison où ton péché devient de plus en plus fort et où ton obéissance décline? Est-ce que tu peux dire que dans les temps passés, tu étais plus obéissant à la parole de Dieu et au Seigneur que maintenant? La vie chrétienne est un cycle constant de péché et de repentance. Le chrétien n'est pas celui qui est sans péché. Le chrétien est celui qui lutte contre le péché. Donc, de tomber, de pécher, de chuter, c'est normal. Maintenant, ce qui est normal également avec la vie chrétienne, c'est qu'il y a la repentance. Donc, la vie chrétienne, ça fait 25 ans que je sors le Seigneur et ça fait 25 ans que je vis des péchés, repentance, péché, repentance. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire du chrétien. Maintenant, ça, c'est normal de vivre ce cycle sous le sein expiatoire de Jésus. Mais Béki continue en disant, mais parfois, le cycle de la repentance est brisé. Il y a des gens qui ont cessé de te repentir. Il y a des gens qui ont cessé d'être alarmé par ton péché. Il y a des gens qui t'ont cessé de lutter avec ton péché. Donc, mais parfois le cycle de la repentance est brisé pendant un certain temps. C'est un retour en arrière. Mon ami, est-ce que tu vis un retour en arrière? Il y a plein de gens dans les églises qui sont des rétrogrades dans leur cœur. Je connais des pasteurs qui vivent des retours en arrière. Cela pourrait conduire à une apostasie totale, c'est-à-dire un rejet de la foi ou une chute loin de Christ, montant ainsi que la personne n'est pas sauvée. Mais par la grâce de Dieu, toutes les chutes des rétrogrades ne sont pas mortelles pour l'âme. Notre médecin peut guérir ceux qui ont tombé. Rétrograder fait partie aussi de l'expérience de certains chrétiens. Et on voit ici, c'est le cas de Lot. Il y a quelque chose vraiment d'encourageant là-dedans. Mais pour en arriver à l'encouragement, tu dois comprendre, c'est quoi le cycle en fait qui a été brisé? C'est quoi la glissade spirituelle qui peut prendre place dans ta vie? Comment ça commence? Où ça peut t'amener? Commençons. Verset 30. Lot monta de Tsuah pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, car il craignait de rester à Tsuah. La première chose, c'est que tu as besoin de comprendre quel est le plan de Dieu pour Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, Quitte ton pays, je te donnerai une nation, je serai ton Dieu. Tu seras une source de bénédiction. Toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De ta descendance viendra le Messie. Lot était avec Abraham. Lot est un peu le cofondateur de la patente. Lot est béni. Lot a les promesses de Dieu sur sa vie. Lot est un croyant. Lot est tellement béni qu'un jour sa prospérité fait rivalité, compétition avec Abraham. On le voit dans le verset suivant, Genèse 13, dans le pays où les deux ont tellement de prospérité, tellement de possession, de bétail, tellement de familles, tellement d'amis, tellement de serviteurs que les deux ne peuvent pas rester dans le pays. La Bible dit que le pays était insuffisant. Et Abraham dit à son neveu Lot, on ne peut pas rester ensemble, c'est comme on, on est trop prospère, on doit, on doit séparer, choisis ta portion du pays promis et je prends le reste. Et la Bible dit que Lot a regardé, ses yeux ont porté le regard vers un endroit qui était, qui était comme fertile, un endroit qui semblait parasidi, parasidiaque. Paradisiaque, oui. Et cet endroit, c'était la région de Sodome et Gomorrah. Et la Bible dit que... Lot a été s'installer à Sodome. Et la Bible dit que Sodome, les gens de Sodome étaient pécheurs. Et Lot a commencé à être confortable dans le monde, à être confortable avec le péché. Et à un moment donné, la grâce de Dieu n'était pas épuisante vers sa vie. Il y a eu une alliance de rois qui sont venus à Sodome, qui ont pris possession de Sodome. Et Lot a été enlevé. Mais par la grâce de Dieu, Abraham l'a libéré. Et Lot est retourné à Sodome. Et c'est le fameux épisode, tout juste, hein, j'ai dit la semaine dernière, pour comprendre ce texte-là, tu dois lire ce qui vient avant. Et ce qui vient avant, c'est Sodome et Gomorre. Et l'épisode de Sodome et Gomorre tourne autour de la maison de Lot. Lot est là. Il y a des êtres angéliques qui sont là, qui ont l'air des hommes. Il les accueille dans sa maison. Et les hommes de Sodome viennent pour les, ils veulent les violer. Et Lot est un peu là et Lot tente un peu de s'interposer. Et c'est là que les anges vont lui dire que les gens de Sodome sont tellement pervertis que le jugement vient et que Sodome va être détruite. Mais Dieu, dans Sa grâce, encore une fois avertit Lot en disant Sors de Sodome parce que je veux t'épargner. Puis la Bible dit que Lot prend son temps, tellement que les anges doivent le brusquer, doivent le sortir. Et Lot parle à ses gendres, puis ses gendres vont rire de lui parce que c'est une plaisanterie. Et en sortant, on dit à Lot à sa femme, et à ses deux filles, ne regardez pas en arrière. Poussez-vous, le jugement vient. Il se pousse et l'histoire nous dit que la femme de Lot se retourne, et elle devient une statue de sel. Ça semble quelque chose d'un peu mythique, mais en fait, on sait que dans la région de Sodome et Gomorrhe, c'est la, la mer morte, il y a des gisements de sel, donc avec des explosions. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il y a quelque chose quand même de logique là-dedans. Donc, Lot est un homme, est un croyant qui a les promesses de Dieu sur sa vie. Lot a été sauvé par Dieu, il a été béni par Dieu, il a été délivré par Dieu, il a été utilisé par Dieu, fortifié, préservé, guidé. Mais malgré tout, il en est rendu à se faire violer par ses filles. Pourquoi? En fait, le problème de Lot, c'est que Lot a donné accès au diable. Vous savez, on, 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 on a au Québec ce qu'on appelle des servitudes. Par exemple, ici à l'église de Portail à Laval, on a, on a notre église, notre terrain, et on a la rue. Mais pour se rendre de la rue à l'église, c'est ce qu'on appelle une servitude. C'est-à-dire, c'est seul la seule voie vers notre terrain, puis on n'est pas tant à penser que ça nous appartient, mais non, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la ville. Ça veut dire que lorsque tu arrives à l'église, avant d'entrer vraiment sur notre terrain, il y a une portion qui ne nous appartient pas et où on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a des gens qui mettent des pancartes électorales, qui vont mettre des, toutes sortes de, 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 de choses pour avoir des vêtements, vont mettre des pancartes. Mettre. On peut faire n'importe quoi, on pourrait faire une parade là. On dit, ben non, mais c'est notre terrain, c'est la seule voie d'accès vers l'Église. Non, c'est une servitude. Vous savez, dans la vie, on peut vouloir servir le Seigneur, mais on ne vit pas en, dans un silo. Et il y a des servitudes, c'est-à-dire, il y a des voies d'accès. Et l'autre a donné accès au diable. Et je veux juste encourager des gens ici. Tu connais des gens autour de toi qui se sont éloignés du Seigneur ou qui se refroidissent. Peut-être c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes parents, c'est tes enfants. Tu pries. Tu ne comprends pas comment ça se fait que tes prières n'ont pas d'impact. Je veux juste encourager. Parce que tout juste avant le texte qu'on a lu, la Bible dit, toujours dans le chapitre 19, le verset 29, Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Même Abraham a dû sentir que ses prières étaient inefficaces alors qu'il priait pour son neveu Lot. Même le grand Abraham, le père de la foi, a rencontré un obstacle spirituel dans sa vie alors qu'il priait pour Lot. Il devait être découragé. Donc, prends courage. Même Abraham, a prié pour des gens autour de lui, puis il semblait ne pas voir de résultat. Et la première étape, le problème, la glissade du rétrograde commence, la Bible le dit. Lot monta de soir pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, car il craignait, c'est la peur. On le voit continuellement dans la vie de Lot. Lot va toujours choisir la peur plutôt que la foi. Toujours, toujours, toujours. Il a continuellement peur. Le défi de sa vie, c'est de faire confiance à Dieu. Lorsque les anges disent. « Quitte Sodome et Gomorre pour va dans la montagne. » Il dit « Non, non, j'ai peur, j'ai peur d'aller là. il y a une petite ville, envoyez-moi là-bas. » Et Dieu, dans sa grâce, permet aux anges de dire « Oui, va dans la petite ville qui s'appelle Tsoar. Il arrive à Tsoar, puis on voit ici, il a encore peur. Il a toujours peur. Et beaucoup de défaillances spirituelles commencent dans la peur. Pourquoi? C'est George Muller qui disait « Le commencement de la peur est la fin de la foi, et le commencement de la foi est la fin de la peur. » À l'intérieur de toi, tu as probablement déjà entendu l'analogie, à l'intérieur de chaque croyant, il y a comme deux chiens qui se battent. Il y a deux chiens à l'intérieur de toi. Il y a le chien de la foi et le chien de la peur. Maintenant, le chien qui va gagner, c'est le chien que tu nourris le plus. L'autre nourrissait beaucoup plus ses peurs que sa foi. C'est normal que ses peurs ont triomphé de sa foi. Mon ami, la bonne nouvelle, c'est que par la grâce de Dieu, Nourris plus ta foi que tes peurs, et ta foi va triompher de tes peurs. C'est normal d'avoir peur. J'ai peur. Il m'arrive d'être angoissé, il m'arrive d'être anxieux, d'être stressé. C'est normal. Il y a toujours un combat. Mais le chrétien est appelé à avoir une foi qui est plus forte que ses peurs. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on nourrit notre foi? C'est par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce livre-là, nous enseigne quoi? Beaucoup de choses. Mais une des choses fondamentales que ce livre-là nous enseigne, c'est que Dieu est grand. Quand tu nourris ta foi par la parole de Dieu, c'est que tu commences à avoir une foi dans un Dieu qui est beaucoup plus grand que tes peurs. Le problème de Lot, c'est que son Dieu était trop petit. Vous savez, la, la, le retour en arrière spirituel commence quand notre Dieu devient trop petit. Quand ton Dieu n'est pas assez grand pour tes défis quotidiens. Mais ce Dieu-là que tu t'es fait, ce n'est pas le Dieu réel. Et la peur amène la deuxième étape. Regarde. Il s'en va où? Alors qu'il s'en va dans la montagne, il habita dans une caverne. La deuxième étape dans la glissade du rétrograde, c'est que la peur t'amène toujours à l'isolement. Imagine. L'autre à un moment donné, il a été est tellement béni que le pays était insuffisant pour toutes ses bénédictions. Et maintenant, tout peut eux contenir dans une petite grotte. Le problème de Lot, c'est qu'alors qu'il se retrouve avec rien, Dieu l'appelait, le plan pour sa vie, c'était de, de retourner avec Abraham, de se coller au peuple de Dieu. Mais non, il s'isole. Alors qu'il a peur, au lieu de se coller au peuple de Dieu, Qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole dans une grotte. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es dans une grotte spirituelle. Il y a des gens, tu écoutes la prédication en ligne, merci, 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 vraiment. Mais il y a des gens, tu écoutes ça et tu le remplaces avec une église locale en chair et en os. Tu t'isoles. Il y a des gens, tu es dans ta grotte. Le problème dans une grotte, c'est que ta vision est limitée et biaisée. Il y a des couples, tu déconnecté, tu es dans une petite grotte, puis ta vision, là, c est, c est, elle est limitée. Il y a des familles qui vivent dans des grottes. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi? Parce qu'une des fonctions, ce n'est pas, pas un, un, un commandement arbitraire. C'est parce qu'à chaque dimanche ou régulièrement, quand tu es en contact avec le peuple de Dieu, dans des petits groupes, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui confrontent ta vision limitée pour te rappeler que Dieu est illimité. Il y a des gens qui confrontent ta vision biaisée, pour te dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Arrête d'écouter tes émotions et tes peurs. La solution à ton épreuve n'est pas de rétrograder, mais de venir à Jésus qui peut te restaurer. Et regarde, la peur amène l'isolement et l'isolement amène le désespoir. Il y a un engrenage, verset 31. Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Il arrive de tout soir il y a des hommes à ce soir. C'est juste Sodom et Gomorre qui ont été détruits. Partout dans le pays, il y a des hommes. Il y a plein de maris potentiels. Le désespoir les amène à pécher. Vous savez, j'ai lu des histoires où il y a des gens qui, par exemple, sont dans un avion, puis l'avion, il y a des turbulences, puis l'avion passe vraiment avec ardeur, puis il y a des gens qui, qui aiment mieux sauter en bas de l'avion en marche que de rester. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement désespérés, ils se disent, c'est sûr qu'on va s'écraser, c'est sûr qu'on va s'écraser, puis ils font des choses totalement irrationnelles. J'ai déjà raconté, puis pour moi, ça, ça, ça a été pour moi une analogie qui m'a aidé, qui a été vraiment un déclic spirituel dans ma vie. Euh, toujours par rapport à l'avion, Tim Keller l'enseigne. Hein? Tim Keller va dire, dans un avion, imaginons deux personnes, il y en a une qui est très très relaxe, très confiante. Par exemple, on s'en va à Cuba ensemble, puis tu as l'autre qui, qui, qui a peur de l'avion, qui a la phobie de l'avion. À chaque instant, il transpire sa vie, il est angoissé, pense qu'il va mourir, panique un peu. Euh, pourquoi? En même temps, les deux sont dans le même avion. Est-ce qu'il y en a l un qui va se rendre plus que l'autre? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'avion qui va t'amener. La foi, c'est de croire que Jésus va t'amener. Maintenant, quand tu commences à nourrir tes peurs plus que ta foi, tu t'isoles. Tu commences à désespérer. Parce que tu n'as plus confiance en ce Jésus. Et quand tu es désespéré, tu fais des choses que tu ne ferais pas en temps normal. En tant que pasteur, je réalise qu'au travers des années, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans le péché par cause de leur désespoir. C'est exactement ce qu'on voit avec, avec les filles de l'autre. Regarde. Donc, elles sont Il n'y a pas d'hommes, elles exagèrent. Mais non! Hein? Quand tu es dans une grotte, tu vois une petite souris et tu penses que c'est un ours. Ah, les gens, là, tu es là, puis tu as un problème dans ta vie. Puis pour toi, là, ce problème-là, -là, c'est comme, c'est immense, puis tu as besoin de comprendre que Dieu est plus grand que ton problème. Et regarde, leur désespoir va les amener à faire quoi? Verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin de donner une descendance à notre Père. La quatrième étape dans la glissade du rétrograde, c'est que la peur t'amène dans l'isolement, l'isolement t'amène dans le désespoir, le désespoir va t'amener à pécher. Par exemple, c'est quoi? Vous savez, comme tous les hommes, euh, ma femme me donne une liste de choses à faire. Puis comme beaucoup d'hommes, je ne suis pas toujours très assidu sur ma liste. Puis, il vient une étape où ma femme va dire elle me demande de faire des choses que je ne fais pas puis un moment va dire c'est correct, tu n'as pas besoin de le faire, je vais le faire. Les chrétiens, on est un peu comme ça. Alors, pendant des fois, des mois, des années, on dit, on demande à Dieu de faire quelque chose, de faire quelque chose. Puis à un moment donné, Dieu ne le fait pas. Puis ce qu'on dit dans notre cœur, puis c'est pas, pas conscient, on dit, laisse faire, je vais le faire. On prend les choses en main. Et c'est là qu'on va pécher. Hein? Comme tu pries, Seigneur, tu pries que Dieu touche ton mariage, restaure ton mariage, il ne le fait pas, tu, tu vas aller voir ailleurs. C'est correct. Tu le fais pas. C'est correct, je vais m'en occuper. Je, je vais combler mes besoins. Hein? Lorsque... Euh, c'est quoi le divorce? C'est que quand on désespère que Dieu sauve notre mariage, quand on n'a plus d'espoir. Mais tant qu'il y a de l'espoir, on n'en parle pas. Donc, le désespoir va nous amener à pécher. Hein, J'ai vu des gens qui, 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 qui étaient avec des conjoints, puis qui ont, qui ont été voir ailleurs parce qu'ils avaient tellement un bébé, qu'ils ne pouvaient pas avec le conjoint, puis, hein, puis on, on va aller ailleurs pour voir un bébé. Hein, parce que le bébé, c'est plus important que l'alliance que tu as faite. Hein, combien, combien de personnes, des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes qui... Après des années de célibat attendre le bon pour leur vie, puis à un moment donné, ils disent, Ok, je t'ai prié de me l'envoyer. Tu ne me l'as pas encore envoyé ce que je vais le faire. Puis on abaisse nos standards. Hein, combien de gens, de chrétiens qui maintiennent l'offense dans leur cœur? Hein, il y a quelqu'un qui te fait du mal. Puis tu, tu, tu demandes à Dieu de te faire justice, puis il ne fait pas ce carré, que je vais le faire. Puis la manière que tu le fais, c'est que tu gardes l'offense. Hein? Des fois, dans les finances, on a des finances difficiles, on, on va faire des choses croches. Hein, pourquoi? Encore une fois, le désespoir. On est tellement sous pression financière que ça nous amène à pécher. Hein, des fois, on est malade. On, est tellement, on veut tellement remettre, tellement un remède, tellement remettre, qu'on qu peut aller dans tout ça. On devient vulnérable. On peut aller dans toutes sortes de courants bizarres. On peut même frôler des fois avec l'ésotérisme, des choses comme... Il est totalement irrationnel. parce que Pourquoi on est tellement désespéré? On dit « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. » Il ne fait pas de ça. Qu'est-ce que je vais le faire? J'essaie je, 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 de trouver une solution. Hein, des fois, on est dans l'épreuve. J'en ai déjà parlé. On est tellement éprouvé qu'à un moment donné, on se dit qu'on a le droit d'une certaine compensation, puis on se permet certains péchés parce qu'on se dit je souffre tellement puis... Et les filles de Lot, c'est exactement ça. Elles leur... sont tellement désespérées et ne voient tellement pas la situation. Elles voient la situation dans la limite biaisée qu'elles vont pécher. Et le problème, regarde, comment, regarde comment c'est sournois. Elles vont même spiritualiser leur péché. Verset 32. Elles vont dire, couchons avec notre Père, afin de lui donner une descendance. Alléluia. Ah, J'ai parlé la semaine dernière l'importance de la descendance dans Genèse. Genèse 3,15, Dieu promet une descendance duquel va venir le Messie. Donc, l'enjeu de la descendance est vraiment important. C'est beaucoup plus qu'un bébé, c'est le salut. Puis, puis elle spiritualise. Hein? C'est-à-dire, on va, on va commettre l'inceste avec notre Père, puis on va contribuer au salut pour la gloire de Dieu. Vous savez, on fait ça, les chrétiens. On fait ça, les pécheurs, on, on, on spiritualise notre péché. Hein, souvent, on dit, le, on, on, la fin justifie les moyens. Ça, c'est tellement pas biblique. Hein? Comme, je vais faire, tu sais, c'est comme si, je vais frauder, mais je vais donner ma dîme. Voyons, ça n'a pas de sens. Hein? Comme, OK, je vais, je vais flasher mon conjoint, je vais en trouver un autre, puis là, moi, ma maison, nous servirons l'éternel. Hein? Ou, ou je vais en prendre un qui ne veut rien savoir de Dieu, mais je vais évangéliser. Hein, où on, on va toujours renverser les situations pour spiritualiser. Hein, C'est comme si tu ne peux pas faire ça. Hein, L'apôtre Paul va dire d'ailleurs est-ce que parce que Dieu est un dieu de grâce, est-ce qu'on va pécher pour, pour contribuer à la grâce de Dieu Est-ce que parce que Dieu fait grâce dans le péché, est-ce qu'on va pécher pour avoir plus de grâce Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu fais une sauce spaghetti, puis tu as, as des belles tomates, puis tu en as trois, quatre de pourri. Tu dis non, mais ce n'est pas grave, ça va, ça va se mélanger, ça va faire une bonne sauce. Tu ne peux pas faire une bonne sauce avec des, ing... des mauvais ingrédients. Tu ne peux jamais faire une belle histoire de grâce et de rédemption en commettant consciemment le péché. Et ça amène une autre étape. Regarde le verset. Il y a tellement de choses là-dedans qui sont tellement pratiques et qui ne fonctionnent tellement pas. Mais j'ai une bonne nouvelle, elle reste avec moi. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné, alla coucher avec son père. Il n'avait sa connaissance ni quand il se coucha, ni quand il se leva. Dans la glissade du rétrograde, puis dans plusieurs chrétiens, on vit ces étapes-là. C'est normal. Donc, on va dans la peur. L'isolement nous amène au désespoir, nous amène au péché, nous amène à l'idolâtrie. Okay, Qu'est-ce que je veux dire? OK. Que tu comprennes, imagine qu'il y a un incendie dans ta maison. Imagine que le feu est pris, tu sors, les pompiers t'ont sortis. Et là, là, tu dis Ah, tu vas retourner pour so chercher quoi? S'il y a un feu dans ta maison, quelle est la chose que tu es prête à te faire brûler un peu pour retirer du feu? Il y a toutes sortes d'histoires comme ça, de vraies histoires. Hein, tu dis, bon, mais par exemple, c'est comme, là, il y a un feu, tu ça, tu viens sortir, les pompiers disent, ça, ça, il a fumé partout, parce tu il où mon téléphone, il y où mon téléphone? Hein, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont faire ça. Hein, ça, ça dit quelque chose sur notre cœur. Hein, D'autres, quelquefois, vont, vont retourner pour, ah, hey, je me souviens, là, il y a 500 dans le tiroir, c'est comme, je veux pas. Fait que es prêt à prendre un risque pour aller chercher ton 500$. Des fois, c'est des photos. Des fois, c'est un animal. Tu hein, T'es comme, tu as un feu. là. Moi, c'est clair, je retourne, je vais aller chercher mon petit minou. T'es comme, la réalité. Puis quelquefois, euh, ça peut être des bijoux. Maintenant, qu'est-ce que tu irais chercher? Imagine, là, tu te fais réveiller la nuit, les pompiers disent « 100, 100, 100, 100, 100! » Qu'est-ce que tu prends? Ça révèle quelque chose sur tes valeurs, sur ton trésor, sur tes priorités. Maintenant, voici où je veux, veux t'emmener. On voit ici, dans le texte précédemment, dans Genèse 19, il y a Sodome et Gomorre, tout est détruit. L'autre doit quitter rapidement avec sa famille. Ils n'ont pas le temps, ils rien, ils ne peuvent rien emmener là. Okay? Ils se retrouvent dans une grotte, dans une caverne. Ils n'ont rien, mais beaucoup de vin. Hein, donc, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'alors que tout est en train de brûler, L'autre, lui, retourne, pas pour chercher son téléphone, pas pour chercher son minou, pas pour chercher les bijoux. Lui, il va chercher son vin. Puis, il en amène beaucoup, là, parce que dans la grotte, c'est comme le gars, une soirée, il perd conscience, il est conscient de rien. Deux soirées, on, on s'entend qu'il y avait plus que 750 millilitres. Là. Puis, en fait, on voit que Lot, on voit l'idole de Lot, qui est le vin. Puis, en fait, c'est quoi ton idole? Ton idole, c'est tout ce que tu utilises comme substitut à la place de Dieu. En fait, c'est ta béquille. Chaque être humain sur la terre, on a une béquille. Pour nous aider à passer au travers nos journées, nos semaines, notre vie, on s'appuie sur quelque chose. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On s'appuie sur quelque chose pour nous aider à marcher. Nous avons tous une béquille. Tout le monde. La question n'est pas, parce que nous sommes tous dysfonctionnels et on a tous besoin de quelque chose dans la vie sur laquelle s'appuyer. La question, c'est Qu'est-ce Qui est ta béquille? Est-ce que ta béquille, c'est l'alcool? Est-ce que c'est une substance? Est-ce que c'est des gens autour de toi? Est-ce que c'est ton identité? Est-ce que c'est ta réputation? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton compte de banque? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est une passion? Qu'est-ce qui t'aide à passer au travers de la vie? Dieu veut être ta béquille. Dieu voulait être la béquille de Lot, mais Lot préférait avoir le vin comme béquille. Certains, ça peut être le sexe, d'autres, ça peut être. Tu as compris le principe. C'est pourquoi Esaïe 36 dit Malheur à vous qu'ils appuyaient hein, sur ces fausses béquilles. J'ajoute ça dans, dans. Je contextualise en disant c'est un roseau cassé. C'est comme. Toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuies ne, ne, ne vont pas t'amener là où tu penses. Elles sont limitées. C'est pourquoi le psalmiste dit Je m'appuie sur toi. Il vient un moment donné où. Lorsque tu cesses de t'appuyer sur Dieu, tu es dans un état de rétrogradation. C'est un recul en arrière. Et là, je fais rapidement pour deux étapes pour arriver à comment tout ça, quel est l'espoir là-dedans. Mais ce n'est pas fini. Reste avec moi parce que ça, ça dégénère. Ça dégénère. Donc, regarde 34-35. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché. La nuit dernière avec mon père, faisons lui boire du vin encore cette nuit, Il va coucher avec lui afin de donner une descendance à notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. La cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Ok, écoute bien. Voici les étapes. Ok, je reprends parce que je veux que ça soit clair. La peur, au lieu de la foi, t'amène dans l'isolement. L'isolement te donne une vision limitée biaisée, t'amène dans le désespoir. Le désespoir, quand tu cesses d'espérer dans l'intervention de Dieu, tu prends les choses en main, ça veut dire que tu pêches, tu vas pécher. Le péché t'amène dans l'idolâtrie. Tu vas t'appuyer sur quelque chose. Tu vas trouver ton réconfort dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Tu vas trouver ton, ton identité, ta valeur, ton refuge dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Et là, on parle toujours, on a des croyants, on a une famille de chrétiens, là, on va le dire comme ça, là, okay, qui sont, ils ont grandi avec Abraham, le, ils adorent le Dieu de la Bible, puis finalement, ils tombent dans le paganisme. Et quand je dis le paganisme, okay, pour moi, c'est simplement, c'est une vision du monde. C'est-à-dire, ils peuvent dire n'importe quoi, mais leur vie, ils se comportent en païen. Et je l'ai beaucoup vu des gens, des chrétiens, qui, des pasteurs, des, des adorateurs, des gens qui luent le Seigneur, qui servent partout, pendant des, des, une saison. Puis à un moment donné, ils s'éloignent du Seigneur et deviennent, les, les, deviennent non seulement des non-chrétiens, ils deviennent les pires des païens. Ils, ils font des choses totalement contraires à l'Évangile. Et une des choses qu'on apprend, c'est quoi le paganisme? Paul va le définir en disant, c'est lorsqu'on est sans Dieu. Ah, il y a des gens, tu peux être à l'Église, mais toute la semaine, OK? Le dimanche, tu as l'air d'un chrétien, mais en fait, tu es un païen fonctionnel. Ça veut dire que le dimanche, tu adores Jésus, mais tu fonctionnes comme un païen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta semaine, Jésus n'est pas présent. La parole de Dieu n'est pas présente. Le Saint-Esprit n'est pas présent. La grâce n'est pas présente. Et ce qu'on voit, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et on dit au Québec, tu peux sortir un gars de la campagne, mais tu ne peux pas sortir de la campagne d'un gars. Puis on le voit avec les filles de l'autre. Tu peux sortir les filles de Sodome, mais tu ne peux pas sortir Sodome de ces filles-là. C'est pourquoi Jésus dit, je paraphrase, hein, on peut sortir du monde, ça, ça Jésus le fait, hein, les chrétiens, moi, ça fait 25 ans que Jésus m'a sorti du monde, mais il n'a pas encore fini de sortir le monde en guettant Brassard. Et regarde l'ironie, Lot se fait violer par ses filles alors qu'il était prêt à faire violer ses filles. Pourquoi? Dans Genèse 19, les filles de Lot, elles ont appris ça quelque part. Ce qu'elles font là, c'est pourquoi je ne suis pas trop dur envers elles. Elles ont appris ça quelque part. Si tu connais un peu ta Bible, pour les autres, permets-moi de te rappeler ou de t'enseigner ce qui s'est passé à Saddam et Gomorre. Alors que les hommes sont là, les êtres, les êtres angéliques sont là qui ont l'air d'hommes, les beaux hommes, les hommes de la ville disaient Il hey, y en a des nouveaux, meet, market, on veut, on veut avoir des relations sexuelles, on veut les violer. Lot dit Non, non, ils sont dans ma maison, ils s'opposent. Et la stratégie de Lot, écoute-moi bien là, okay? la stratégie de Lot pour empêcher les hommes de Sodome de violer ses invités, voici ce qu'il va dire. J'ai deux filles vierges qui n'ont pas couché avec aucun homme. Je vais les faire sortir et je vais vous les donner, puis vous pourrez faire ce que vous voudrez avec elles. Okay? Je n'exagère même pas. Citation à peu près littérale, Genèse 19:8. Donc, les filles de Lot font à leur père ce que leur père a voulu leur faire. Qu'est-ce que ça nous dit? OK. Lorsque les, les, gens, les, les gens de Sodome sont arrivés dans la maison de Lot, OK. Lot et sa famille à Sodome, c'est comme la famille chrétienne de la ville ou du village ou du quartier. OK. Ils adorent le Dieu de la Bible. Lorsque les, 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 gens, les gens de Sodome sont arrivés, probablement que devant la maison de Lot, il y avait un petit tapis qui disait ⁇ God bless you ⁇ et lorsque l'autre tu la porte, tu vas dit non, allez-vous-en, allez-vous-en. Peut-être qu'ils ont vu un cadre, puis écrit Moi et ma maison nous serviront l'éternel. Puis de l'autre côté, ils ont vu des petits bibelots, des lettres, là, puis là, c'était écrit Love, Fate. Puis peut-être dans loin, là, ils ont vu comme Hey, il y a un livre de John Piper, ou de T.D.J. « DJs, c'était pendant tes influences. Okay? Et là, probablement, tu entendais du worship en arrière. Hein? La famille de l'autre a l'air d'une famille chrétienne. Tu vois, dans la Bible, il y a l'air d'une famille chrétienne. Mais lorsqu'on a une vision de ce qui se passe dans la, dans la caverne, c'est des païens. Et le plus grand danger du christianisme occidental, selon moi, ce n'est pas nécessairement les attaques du monde, qui sont réelles. Pour moi, le plus grand péril de l'Église moderne occidentale, c'est ce que j'appelle les païens christianisés. C'est-à-dire des gens qui sont là. Qui la bonne nouvelle de Jésus, des gens qui sont à l'église le dimanche, mais qui sont païens, qui vivent en païens, qui vivent sans Jésus, qui vivent sans l'Évangile. Et c'est pourquoi ça vient un moment donné où c'est tellement, c'est tellement un niveau d'endurcissement élevé, que la septième étape, puis reste avec moi, la bonne nouvelle s'en vient. Quand tu es rendu là, quand tu es quelqu'un qui se dit chrétien, mais tu vis, tu es dans le paganisme, c'est comme. C'est tellement un niveau d'endurcissement que l'étape après, c'est le satanisme. Et là, reste avec moi. Hein, le satanisme, souvent, on pense là, que c'est euh, du monde avec des. qui s'habille avec des toges noires puis qui font des. OK, ça, c'est une caricature, là. Okay. C'est quoi le satanisme? En fait, Judas. Judas était dans le satanisme. Voyons donc. Excuse-moi, je n'ai pas une vision sensationnelle comme, comme tu en as une, mais la Bible dit qu'à un moment donné. Satan a mis dans le cœur de Judas de se débarrasser de Jésus. Ça, c'est du satanisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu marches pleinement dans ce que Satan a pour toi. Et ce qu'on voit ici, c'est que la Bible dit que ces, les filles vont être enceintes et elles vont avoir des fils, chacun un fils. La plus vieille va avoir un fils, ce sont les descendants des, des On les appelle les Ammonites, euh, les, les Moabites. Et l'autre, la cadette, va avoir des fils, c on les appelle les Ammonites. C'est deux peuples qu'on voit dans la Bible. Et ces peuples-là, regarde, regarde là, comment ça devient n'importe quoi. Alors que la famille de Lot était comme c'est le peuple de Dieu. Maintenant, ils vont donner naissance à des descendants, mais qui est loin d'être la descendance de, de du, qui glorifie Jésus. Je vais y revenir. Okay. Puis c'est une descendance. Les Moabites et les Ammonites vont devenir les ennemis du peuple de Dieu. Et ils vont développer un culte à Moloch qui consistait, Moloch, on faisait une statue de fer blanc, dans le ventre de la statue, on mettait du bon, on faisait chauffer la statue, les bras étaient rouges, brûlés, brûlés, puis on mettait des bébés, on brûlait des bébés, on brûlait des enfants, d'où l'expression dans la Bible, faire passer son fils par le feu. Donc, imagine, comment tu peux être une famille de l'Alliance qui pense, puis tout à coup, ça vient du de ça devient... Dé... Tout ce que de pire, comme culte barbare de l'Ancien Testament, vient de là. Wow! Comment est-ce possible? Vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quelquefois, on ne réalise pas, on pense que les chrétiens, on est immunisés. Hein? Réalise que Judas a entendu tous les messages de Jésus. Judas là, était capable de t'expliquer l'Évangile. Judas fait réciter toutes les paroles de Jésus. Judas, là, il connaissait Jésus, connaissait l'Évangile, puis s'en est débarrassé. Alors ça, c'est pour moi, c'est l'affaire la plus satanique au monde. Alors que tu es tellement proche de Jésus, mais tu le balances. Quand tu passes une saison de ta vie où tu es proche de Jésus, tu suis Jésus, tu aimes Jésus, tu adores Jésus, à un moment donné, tu considères le balancer. Mon ami, ce n'est pas juste charnel, c'est satanique. Mais voici la bonne nouvelle, ça ne s'arrête pas là. Hein, je pourrais arrêter le message. Là, dire, voici les, la glissade du rétrograde, mais non, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que de l'espoir, si tu m'écoutes, puis tu te reconnais un peu, ou beaucoup là-dedans, regarde, l'autre étape après, c'est la grâce. Tu dis mais, mais où tu vas chercher ça? OK. Dieu va dire, dans Deutéronome 23, il va dire que jamais le Moabite et l'amonite vont entrer dans l'Assemblée de Dieu. Pour les raisons que je viens de te dire, ils sont issus d'une relation incestueuse, mais surtout, c'est un culte démoniaque, barbare, donc Dieu dit non. Mais il va se produire quelque chose dans la Bible. On a un livre qui s'appelle Le livre de Ruth. Ruth est une moabite. Ruth est une descendance de cette relation, de ce texte-là, de ce texte crasse. Ruth est le produit. Ruth est une jeune femme d'origine païenne. Qui va se convertir, qui va mettre sa foi dans le Dieu de la Bible, qui va espérer dans le Sauveur. Et Dieu, quand Dieu dit que jamais le Moabite va entrer dans l'Assemblée de Dieu, il ne parle pas d'une ethnie. Il parle d'une idéologie. Il parle de ceux qui, qui glorifient Satan, de ceux qui glorifient la chair, glorifient le péché, de ceux qui aiment le monde plus que Dieu. Et regarde, la Bible dit que Dieu va faire grâce à Ruth. Et elle va devenir la grand-mère du grand roi David. Est-ce que tu savais que de, cette, de ce texte-là, alors qu'on dit ça pas d'allure, de cette caverne, à un moment donné, il y a quelqu'un, des années plus tard, qui va naître et c'est le grand roi David. Pourquoi? Parce que sa grand-mère est une Moabite et Ruth, dans ses ancêtres, son, son histoire commence là, dans cette caverne. Et c'est là que tu vois que là où le péché abonde, la grâce sera surabonde. En hein, L'histoire, l'image que j'aime beaucoup, si on est dans la période estivale, quand tu vas à la plage, tu vois toujours des enfants qui, qui prennent le petit seau, puis prennent l'eau. Puis euh, prennent de l'eau, remplissent la, le, le petit seau. Hein, puis tu leur demandes qu'est-ce que tu fais? Puis tu, tu, Je veux vider l'océan. Hein, puis C'est comme mon ami, mon jeune ami, tu peux passer la journée. Le moi, la vie, jamais tu vas vider l'océan. Et c'est ce que la Bible dit. Alors qu'on voit le péché, alors que tu m'écoutes, peut-être tu vois toutes sortes de choses, tu as l'impression que tu es tellement indigne, tu es tellement sale, tu n'es tellement pas à la hauteur. Mon ami, peut-être que ton péché abonde, mais là où le péché abonde, la grâce sera abonde. Tu ne peux pas vider l'océan de la grâce de Dieu pour ta vie. Il y avait assez de grâce pour Ruth. Il y a assez de grâce pour celui et celle qui vient à Dieu. Et ce texte-là nous amène vers une autre étape dans l'histoire du salut. Jésus. Ben c'est quoi Jésus? Écoute, c'est fort. Dans la caverne, de Lot, t'as ses filles, t'as de l'inceste. T'as un peuple qui va sortir, Moabite. Des années plus tard, as Ruth qui va arriver, qui est une Moabite. Ruth va marier Boaz, qui est un Israélite. Il va avoir un petit-fils qui s'appelle David. Et David, des années plus tard, un des descendants de David, c'est qui? C'est Jésus. Ce qui se passe dans la caverne, Dieu l'a transformé pour permettre la venue de Jésus. Ben voyons donc. Moi, si j'étais Dieu, si j'envoyais mon fils sur la terre, j'aurais choisi une lignée quand même pure. Non, Dieu a choisi une lignée crasse. Pourquoi? Jésus vient d'une lignée de grands pécheurs pour sauver les pires pécheurs. Ton péché n'est pas trop gros pour Jésus. Et ce qu'on voit dans cette caverne-là, et je termine là-dessus, donc, tu as la glissade du rétrograde, mais tu as la restauration du rétrograde. La peur amène à l'isolement, l'isolement amène au désespoir, le désespoir amène au péché, le péché amène à l'idolâtrie, l'idolâtrie amène au paganisme, le paganisme amène au satanisme, mais l'histoire ne se termine pas là. Même dans les choses les plus sataniques, la grâce de Dieu surabonde pour celui et celle qui se confie en Dieu. Et la grâce culmine dans la venue de Jésus, qui est ici de sa descendance. Puis finalement, si tu te reconnais, la dixième étape, c'est de reconnaître la véritable nature de, du christianisme. Écoute bien, écoute bien. Quand je te dis que quand on lit un texte, on doit vraiment avoir une vision globale de ce que la Bible enseigne. 2 Pierre 2,7 parle de lot. Hein, Pierre va dire que. Puis il va appeler, il va dire Lot le juste. Come on. Come on. Pierre dit Lot était juste. Là, on peut dire, OK, bien, Pierre, là, t'es comme. il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. OK, prends ton café, là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, Pierre. Euh, lot, juste. Est-ce que tu as vu l'histoire, là? Hein, mon pasteur, ça fait 40 minutes qu'il en parle, puis il est loin d'être juste. C'est tout sauf un juste. Mais en fait, l'autre pointe vers la véritable nature du christianisme. La Bible dit, c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est la justification par la foi en Jésus. Ça veut dire que Dieu te déclare juste, non pas parce qu'il voit en toi, mais te déclare juste à cause de ta foi en lui. Ça, c'est comme un médecin. Okay, c est, c est, supposons que tu arrives, quand les, les, les malades, les accidentés arrivent à l'hôpital, est-ce que les médecins choisissent les meilleurs citoyens? Ah ok, toi tu es une bonne personne. Alors, toi, tu as eu un accident, tu conduis mal, tu vas attendre. Puis en plus, tu as ton accident, tu as frappé des gens, puis tu as blessé, puis même tué des gens, tu vas attendre encore longtemps. Puis quoi? En plus, tu as eu un accident, tu as blessé des gens parce que tu textais, mon ami, je vais venir te voir dans deux semaines. Quoi? En plus, tu étais sous l'effet de l'alcool, mon ami, reste là pendant un mois. Ça va prendre du temps avec que je ne te voir. Les médecins, il ne faut pas ça. Les médecins soignent tous les malades qui se présentent à eux. Jésus dit que le péché en nous, quand on voit l'autre, on voit, on voit un malade. Jésus ne nous guérit pas, n'agit pas dans nos vies, il ne nous bénit pas en fonction de nos mérites, en fonction de, de ce qu'il est. Dieu nous bénit en fonction de l'œuvre de Jésus. Alors, Jésus va le dire d'ailleurs, ce n'est pas, pas les, ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les pécheurs. Les seuls malades que les médecins ne guérissent pas, c'est ceux qui viennent pas à eux. Les seules personnes que Jésus ne restaure pas, c'est ceux qui ne viennent pas à lui. C'est pour ça que Joel Bickey disait que quand il parlait de, de c'est quoi un rétrograde, puis il termine en disant Mais notre médecin peut guérir ceux qui ont tombé. En fait, quand on regarde pourquoi Dieu déclare Lot juste, parce qu'on le voit avec son contact avec Abraham, qui met sa foi dans le Messie à venir, tout ça. Donc, Lot, sa vie est un chaos, mais Lot espérait dans un sauveur. Lot avait sa foi dans un sauveur. Il était un très mauvais croyant, mais il avait sa foi dans un sauveur à venir et réalisait qu'il était malade, et il réalisait son besoin de Dieu. C'est ça un juste. Un juste, ce pas quelqu'un qui est sans péché. C'est quelqu'un qui est plein de péché, qui réalise qu'il a besoin d'un sauveur et qui met sa foi en Jésus. Puis en fait, quand Dieu regarde l'autre et quand Dieu nous regarde, et je termine, puis je sais que ça fait trois fois, mais là c'est vrai que je termine, pourquoi Dieu peut déclarer l'autre juste? Parce qu'il voit la meilleure version de lui-même. Dieu te regarde, puis il voit la meilleure version de toi-même. Non seulement il voit Jésus, qui va être la version ultime, mais quand tu réalises qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, tu veux devenir cette meilleure version. Hein, il y a un pasteur qui a dit à un moment donné, puis ça m'a impressionné il a dit, Mon Église a besoin d'un meilleur pasteur. Et j'aspire à devenir ce pasteur. Hein, ta femme a besoin d'un meilleur mari. Ce n'est pas un autre mari qu'elle a besoin. Elle a besoin de la meilleure version de toi-même. Aspire à devenir ce mari. Aspire à devenir ce père, cette épouse, ce chrétien. Donc, ce monde a besoin de meilleurs chrétiens. Aspirons à le devenir par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous voit déjà comme juste. Donc, à toi qui. qui vois ta vie ravagée par le péché, à toi qui as peut-être tout perdu, à toi qui. Dans une caverne, à toi qui considères abandonner Jésus, à toi qui as peur, à toi qui es isolé, à toi qui réalises que ton péché devient de plus en plus fort, que ton obéissance devient de moins en moins forte, à toi qui vois ton cœur qui est ancré dans toutes sortes de désirs charnels, à toi qui, qui entends la voix de l'ennemi, à toi qui regarde la parole de Dieu et veut la délaisser à toi, qui veut t'éloigner loin de Jésus, qui pense que Jésus est ton problème. Non, Jésus est ta solution. Donc, viens à Jésus. Encore une fois, il t'accueille, il pardonne, il restaure, il restaure, il restaure. Ton péché n'est pas trop gros, tu n'es pas, pas assez creux, tu n'es pas assez profond, tu n'as pas été trop loin pour Jésus. Donc, peu importe qui tu es, viens à Jésus, reviens à Jésus. Il est bon, fidèle et gracieux.